Fondation J'éclairé dit la prendre bon vague arrestation qui fait bonnet bonnet dans Petit Bois, commune Tabar, qui en bas juridiction tribunal première instance Croix des Bouquets. Mon délégation Fondation est dépêchée en urgence dans la direction centrale de la police judiciaire de CPJ. Côté délégation rencontré en pile dans le monde qui a arrêté, qui n'en garde à vue dans le CPJ. Arrestation sa yo, y aurait une connexion directe avec le gouvernement qui dénonçait sa relé en tentative coup d'État avec un complot contre la sûreté intérieure de l'État. Moun yo arrêté yo, c'est moun sa yo. Magistrat Yvickel Dieu Juste d'Abrésil, 53 ans, juge dans la Cour cassation. Magistrat confié par Fondation J'éclairé que yo arrêté le bloc 10h59 dans le matin sans mandat. En violation de la Constitution République. Il a perquisitionné la CAELI et un espace qui a été mis à disposition. C'est administrateur habitation Petit Bois, l'aile pas qu'à rentrer la CAELI dans la commune Grissier. La situation en Mangomain, la situation en Macaron. Même si elle était Macaron hier, elle a plongé vite, donc on a pu le traverser. Guerrier, arrivé, l'offre quitté pompe gasoline de Nel Cassia, eh bien, Negyo, un camion tout chargé, yo kankanel, et puis gen l'autre qui t'a passé au croisé tous deux dans mi-temps la rue. Pas gen moyen pour nous ta fourer tête, ou pas gen l'autre choix c'est casser tête tourner. Ouais même un flash makaba ou parce que vous connaissez vieux flèche qui sous tête nèg kounya, flash ça tape important pour mais préfère m'pas bon flash là, m'pas bon scoop là, m'sauver vie pas. Vous comprenez dame douleur parce que c'est bon flash là pour dire que bloqué grisé mais ça qui passé pour mon qu'est-ce comment tu cap civil me casser tête tourner vous comprenez dame douleur me pleine nanke me virer me casser tête tourner donc tout des machines ça au cancané et pas petite machine petit pour nous gros et capoter bagaille Coca-Cola et tout là bien qui chargé bien même qui était chargé un camion qui chargé charbon et nous connaissons qui ça veut dire les malheureux là prêter l'argent la banque là l'acheter charbon pour venir distribuer par détaillant n'importe où prince distribuer par monde qui gagne restaurant monde qui gagne l'autre bagaille après pour le ramasser comme ça pour le payer la banque qu'il doit tout des machines ça yo boulé devant Nel Cassia et croiser. Eh bien, magistrat, lui-même qui c'est mon grissier, qu'on a difficulté, que le cas rencontre même avec moi chaque matin, lui-même, il y a un monde qui ballon bourrade, eh bien, pour loger dans l'habitation Petit Bois. Si je ne sais pas si c'est l'habitation, on a fait un coup de tête, pour moi, c'est qu'à loger mon chambre tout, parce que mon grissier n'entra, vous comprenez? Eh bien, mon grissier n'entra, on a fait un coup de bourre, tout, on a fait un bon magistrat, tout, pour l'aimer, on a fait un coup de journal, on a fait un coup de bourre, mais on a fait un geste pour magistrat, le ballon chambre lui-même, pour la ite colle dans Petit Bois. C'est administrateur acte balil, il faut me gagner numéro monsieur. Bon, ça va peut-être être utile même. Je vais t'en poser sur l'état galet. Je vais t'en poser griffler sur l'habitation. Et bien, magistrat a dit dans ce sens-là que il a arrêté le sans mandat. Il dit l'humilié par policier qui était venu arrêter Lyo. Malgré le identifié tout présence ministre justice. Là, ça, nous ne connaissons pas. Les fondations J'éclairé qui a parlé. Maître Wokfele Vincent, directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, commandant USGPN, Dimitri Erard, qui d'après lui-même, qui est bien réglementé et qui, jour et jour, pas bail droit de participation, dans le sens ça, poser tête les questions, qui ça t'a passé comme ça. Et il parlait tout des commissaires gouvernement, quoi des bouquets, ensemble avec responsable Katimna, c'est le magistrat qui a parlé. Dans le moment opération 1, ils ont procédé à saisir des armes que la police nationale là te mettait à disposition pour sécurité. Dans le moment arrestation, deux agents joignent arrestation, agents sécurité, ils joignent en possession un draft qui gagne des grandes lignes discours au cas où ils ont choisi pour aller remplacer président et que mandat constitutionnel li rive dans bout. Donc tout le monde a mis au prêt. Vous comprenez bien? Donc lui-même dit tout mettait petit discours prêt parce que pas jamais connaît ces juges pour cassation.
lié là j'ai entré si toutefois il t'a trié c'est lié au trié pour le pas pas de discours et petit discours tout écrit selon ça le fait qu'on est il dit que gain Romain d'Abrésil qui a 35 ans qui c'est cousin il a arrêté si moi c'est les pères ouais chemise des trois pour point être là tambli c'est lui même donc il a arrêté tout il a arrêté Bertus Loubert 58 ans c'est cousin magistrat en pile fois magistrat il était soulier dans Tibois. Il a arrêté Claude Veillard, qui a 75 ans. Monsieur Veillard, c'est un ancien membre du comité liaison force démocratique qui a dirigé par feu Daniel Narcisse. Vous songez pas de ça, guerrier. Donc, lycée membre quoi il est là, ASSO, qui fait partie du secteur démocratique populaire. Là. Il a arrêté tout Sineus Roosevelt, qui a 33 ans. Lycée coordonnateur Haïti en action, AAA, dans NIP. Il a arrêté dans quoi tout Dantès Wisver. Dantès Wisver, qui a 45 ans. Et même si il travaille dans la même propriété Petit Bois, il dit que il a arrêté parce qu'il était sous place. Et donc, il était laissé, d'après toujours Fondation J'éclairé, il a quitté Petite Fille, il y a 10 ans. Donc, c'est lui qui a en charge pour mener Timoun l'école en dans le village. Là, bon, dans ce sens-là, il a arrêté. Il parlait tout de Jenica Philippe, 21 ans, et qui lui-même vive dans le village Petit Bois depuis 3 mois. Il a arrêté Saint-Imé Chantal, qui a 37 ans. Qui est Saint-Imé Chantal? Saint-Imé Chantal, c'est belle-mère Jenica. Il a arrêté agronome Louis Bito, monsieur c'est Marassa avec docteur Bito. Agronome nan di tout le monde connaît son nom Loulou, monde qui proche connaît sorti jouet non la Loulou et qui gagne 72 ans, c'est lict avec les pères chemise trop longue pour être là. Quand c'est chemise pour être li dans une arrestation pour diable pour garder lui fait la peine. Donc il a arrêté c'est yo ou tu fait ma conne ensemble des messieurs armés noté ensemble dans image là. Donc c'est lui même Loulou, il gagne 72 ans. Li dit que yo arrêté ensemble avec belle sœur li et maman petite li et pour complot contre intérieur de l'État. Era Carl Steven, 36 ans, yon policier, agent de sécurité magistrat d'Abrésil, li arrêté tout. Gen Florent Jean Narcisse, 36 ans, agent de sécurité magistrat d'Abrésil, li arrêté tout. Gen Jean Robinson, 29 ans, agent direction administration pénitentiaire, et ça s'appelle les DAP, li arrêté tout. Gen Dachlin Saint-Fort, qui gen 24 ans, li c'est agent direction administration pénitentiaire, li même également arrêté dans coup de filet. Gagné Saint-Cyr Fritzner, il a 40 ans. Monsieur, c'est chauffeur magistrat d'Abrésil qui a arrêté également. Nous gagnons Reynald d'Abrésil, 39 ans. Cousin magistrat d'Abrésil, du servicier la cour d'appel Port-au-Prince qui a arrêté. Gen Wani Yves Ferdinand, 45 ans, du c'est employé village Petit Bois qui a arrêté. Gen docteur Marie Antoinette Gauthier, moi-même m'te baptisé le madame Gougou, c'est Tinosa m'te bali, mais Tinosa vient passer mode, lui-même tout l'arrêté. Gen Marie Louise Gauthier, 62 ans, sœur madame Gougou, qui c'est inspectrice générale la police nationale qui a arrêté illégalement et en uniforme. C'est le commissaire qui a parlé. À l'exception du magistrat d'Abrésil qui a affirmé que il était frappé, tout l'autre monde ça yo déclaré il était bien traité. Donc il établit que appareil judiciaire Kwade Boukéa qui représenté par commissaire gouvernement Kwade Boukéa, maître Edler Guillaume et juge de paix Kwade Mission, maître Floristal Janet et greffier Mikael Pétion, yo pas bail entrée des lieux pour opération. Yo t'ai trouvé, yo t'ai joué un prévenu déjà maîtrisé dans moment que moun sa ou t'apparaît des souliers en guerrier. Ça blé son poté bourré et qui fait sans entrer des lieux. Sous l'ordre commissaire gouvernement, magistrat d'Abrésil était relé quelque nan proche li dans téléphone pour être capable prendre médicament pour lui avec tibay pour le passer dans bouche li et ti déjeuner li. Yo joine nan moment des fusils M4, des fusils M12, des pistolets Taurus 9 mm, on manchette,
un pistolet 9 mm avec l'autre article personnel, tant que capote, etc. Ça va pas besoin de la guillotine, image là. De capote là, on va faire coup d'état à capote. Bon, capote là, tout là, ouais, on connaît, parce que l'on va faire coup ça, yo. Si on va faire des capis, je vais payer pas gars seulement. Non, quoi? Pour éviter grossesse, mal, vite tomber avec problème, ce problème. Écoutez mon habit. Tout n'a pas été en position de. Donc, si capote là, là, on nous dit là, donne. On va pas retirer. Et on a dit pour qui ça capote la tête là. Et puis, yo jouen tout au discours. Maestra da Brésil te écrit pour 6 ou 4, c'est sous lui, on t'a fait de main. C'est vous-même qui pourra le remplacer Jojo qui lui-même pourra aller. C'est donc ça vous dit. Complot contre la cité de l'État, ce que le gouvernement a reproché avec mon arrêté, c'est infraction, complot contre la cité de l'État. Qui ça, ça veut dire complot contre la cité de l'État? Code pénal en vigueur, là, qui traite question complot contre la sûreté intérieure de l'État, l'énalé dans l'article 63 et suivant, en règle générale, la loi, la jurisprudence ou bien la doctrine, y a accordé pour dire qui a complot contre la sûreté intérieure de l'État, c'est les éléments, ça, y a même y a réuni, ça a sorti pour un coup de droit, et ça, son, ouais, ça, et deuxième année, et Fondation Jéclairé a fait pour Mounio. Il parlait de participation indispensable des deux ou plusieurs personnes. Résolution arrêtée à d'agir. Un contrat criminel là, il doit gagner ça ou la donne, soit en résolution à agir contre la vie ou la personne du chef de l'État, soit pour détruire ou bien pour changer le régime constitutionnel, soit pour inciter citoyens pour prendre arme l'une contre l'autre, soit pour armer contre autorité chef de l'État, soit pour porter atteinte à l'intégrité des territoires nationaux là. C'est là ça au capable parler complot contre la sûreté intérieure de l'État. Droit pénal là est en interprétation stricte. Si un seul élément ça a manqué, infraction automatiquement tombée dans ça nous dit là. Sans pas analyser des premiers éléments constitutifs yo dans infraction, il est évident même pour respecter et moyo na toute profondeur yo, donc pas gen yon aspect élément ça yo et ça ne capable un contrat criminel qui existait. Information qui fournit by public là par pire autorité l'État dans pays a montré que existence un contrat criminel ça le représentait comme un complot contre la sûreté de l'État parce que pas gen aucune volonté pour être capable atteindre vie chef l'État. Responsable sécurité par les nationales là dans un voice li rend public côté exposé et un dialogue qui t'a gagné entre lui-même avec inspectrice en chef la police nationale là pour te arrêter président. Donc est-ce que nous capable kembil? Et dans ce sens-là, RNDDH font bonne, et pas RNDDH, Fondation J'éclairé, Guerrier, ça n'a pas pris aller dans profondeur là. Tout ça l'a dit là, yo. C'est donc ça veut dire, il n'y a pas question d'inspecteur général là, il n'y a pas la veille. C'est oui, ça? Non, non, c'est là le problème. C'est là le problème dans tout le monde. Et Fondation J'éclairé rencontré, yo, nous pas, ouais, il pas fait état de inspecteur. Il faut attendre version chef. Si mon voice cap circulé, yo dit c'est voile. Voile. Ouais. Donc au moins, t'as posé la question pour nous, est-ce que c'est voile, effectivement? Même Jean et juge lundi les gain draft discours pour si c'était allé donc kounyan faut regarder est-ce que tu as une conversation comme ça entre lui-même avec Dimitri Rat. Eh bien, Dimitri Rat tout pour être très important pour la direction centrale et la police judiciaire dans ce sens-là, oui, des CPJ, et pour une éventuelle confrontation. Oui, normalement. Et information nous disposer fait qu'on est, Mounsa Yota de paraître devant juge ce matin, après 48 heures de temps, il a passé fermé dans des CPJ pour. Non, la grande dilemme. La grande dilemme. Et on juge, dans Trump. Juge d'Abrésil, c'est un juge de la Cour de des cassation. Oui, c'est même si on t'a dit la haute, et c'est ce que t'as où t'apprends aux États-Unis, un procureur par exemple, oui. et États-Unis, qui ça la loi dit, et sous cas Mounsayo, qui juge, qui compétent, ou tendez, on juge dans Trump
d'Abrésil. Ouais, d'accord. Et d'Abrésil lui-même qui sait pas. Et d'Abrésil qui c'est un monde qui madré en droit, qui ont capacité juridique enragée, m'a pas quoi pour accepter répondre question au juge. Sinon, c'est à la haute cour de justice. C'est la haute cour de justice qui a habilité. Oui, mais capable vous mettez campé haute cour de justice là, faut gagner chambre de chambre. Chambre député à pas là et Sénat au complet. Donc nous avons Sénat à moitié. Donc la coulière sont il était posé bon flou juridique total capital et pourtant nous t'ai soulevé question ça hier guerrier bon flou juridique dans ça donc la grande question qui juge qui habilité pour tendre on juge tant coup mettre d'Abrésil qui c'est un juge de la cour de cassation guerrier on a rappelé juge Ivikel d'Abrésil 53 l'année jeune arrestation là avec trois cousins trois agents sécurité il y en a aussi policiers un chauffeur, trois autres policiers parmi eux, inspecteur général Marie-Louise Gauthier, deux agents et administration pénitentiaire, DAP, deux dirigeants partis politiques. Gagnon nom qui pas cité dans le rapport FJKLA, monsieur, c'est Daniel Whitman, ancien responsable USIS dans l'ambassade américaine, sorti 1999 à 2001, comme c'est lui qui t'a organisé Koussa, information révélé. Non, on a prévenu justement avec en réaction parce que lui-même. Oui, vous dites, les... comme FJKL, pas cité Daniel Whitman, FJKL a rencontré Moun qui n'a petit bois qui arrêté comme organisation qui a défendu Moun. Chercher qu'on ait motif arrestation hein, puisque arrestation hein, li fait dedans la loi dans l'œil fait là la loi pas autorisée forme arrestation ça yo et puis le ministre de la justice que m'tap tande ensemble avec nous pendant que moi-même t'ai coincé et m'pas de traverser et li parlait de flagrance qu'il est la question de flagrance ça un grand point d'interrogation qui posait est-ce que si c'était moi-même guerrier moi me pensais que et gon fuite en avant dans question. S'il était en question effectivement de coup d'état et comme moi prend ensemble pour me tendre voice qui gagne entre Dimitri Era et inspectrice générale madame Gauthier Guerrier, moi demander pour qui ça yo tuer yo craser Zia dans votre poule là. Est-ce que là si effectivement tout est possible on est en Haïti. D'accord Guerrier. Si intention c'est prendre palais national prendre chef l'état ensemble avec madame Le Martine Moïse pour mener dans petit bois pour songer histoire Jean-Bertrand Aristide là avec discours ça t'es tourné on patate chaud dans mon bon monde écoutez même ils vont Neptune te prendre pile précaution pour te l'île by nation avant de aller avec président Jean-Bertrand Aristide donc si il y a un plan comme ça est-ce que vous comprenez ça moi du la guerrier pour qui ça mon yo pas prendre temps yo prendre sang yo pour mettre dans undercover mettre des policiers spécialisés pour tendre qui côté plan à privé atterri parce que si madame Nanget en planifié avec Dimitri Era pour laisser champ libre pour yo dans palais national que Dimitri Era continuer jouer stratégie que l'a joué en pour tant que yo prend direction palais national évidemment ou la guerrier leur automatiquement yo fin entrer dans barrière palais national là yo par contre comment qui stratégie yo t'a pral mener et puis ça moue tout comme zam ou ta prend sous palais national m'pa wè ou gen moyen et suffisamment par contre qui l'autre stratégie que yo t'a pral mettre sous pied qui l'autre équipe yo gen à disposition yo comme les questions de la police nationale de tout bagaille possible et ce dernier jour nous ouais comportement fantôme 509 nous qui réaction gagné est-ce que yo t'a pral venir appui fantôme 509 ça je ne sais pas. D'accord, vous comprenez guerrier? Ça je ne sais pas. Par contre si tu as l'autre planification parallèle est-ce que palais national connaît si yo arrive mettre en exergue plan yo al pap ka contre Karil ou bien c'est yo ka perdant que yo couri écraser le zé en avant pour là même rend moi compte guerrier si yo pas faire fuite en avant si yo pas gè temps anticiper comme ça si yo pas gè temps trop actif dans imagination yo probablement
pas de l'eau pour laver équipe mm-hmm. Mounsayo. Et donc Daniel Whitman non, Daniel Whitman non, oui. Madame Gilles pas capable lui-même parler de Daniel Whitman. Daniel Whitman dans son révélation guerrier, son révélation est capable fausse, dit capable vrai. Mm-hmm. Mais si Daniel Whitman t'es sous lieu hein, dans un moment préparation tout ça yo guerrier mm-hmm. yo t'a obligé arrêter Daniel Whitman quand t'es mm-hmm. oui. Et puis nous noter en pile légèreté tout dans échange qui était gain madame Gauthier responsable sécurité palais national là et une question que nous ca poser mm-hmm. qui Jean madame Gauthier ca aussi à l'aise pour bon, la parler avec responsable pile, sécurité au monde comme madame Gauthier qui rivé dans stade ça dans la police nationale d'Haïti guerrier c'est pas n'importe monde pas vrai oui. Ou d'accord avec son monde qui brûlait des étapes est-ce que c'est pouvoir qui vient faire mon yo perdi tête yo perdi intellect yo parce que trois facultés de l'âme toujours dit là c'est intellect émotion et volonté mais donc on monde trempe ça qui rive dans stade ça pour quitter le jouer par Dimitri Erard. Et guerrier, sous prenson pourtant des interviews, fois madame n'a t'a senti que le piégé. Gende bagay li dit, ouais Dimitri repose le question pour reconfirmer à clé. Est-ce que vous avez dit là? Et moi-même, franchement, écoutez, rivé dans stade inspectrice de la police nationale d'Haïti, franchement, madame n'a moitié bête. Bon, en tout cas, je pense que tout faut que vraiment, parce que je parle aspect ça dans le rapport FJKL, côté, il a questionné l'inspecteur général. Est-ce qu'effectivement, il y a une conversation, peut-être qu'il y a quitté ça pour le CPJ. Oui. Est-ce qu'il y a une conversation avec Dimitri Erard, qui ça qui t'a dit là-dedans, et tout ça. Et il y a l'autre citoyen encore, il y a l'autre voice, m'tende, avec un autre citoyen, et qui lui même promet Dimitri un paquet de l'argent, et il pourra le travailler dans l'ambassade. Oui. Et donc vraiment c'est en pile les paroles qui parlaient de CPJ. Bon auditeur qui éclairer nous là, il dit que te gen gon bagay que nous pas dit dans dialogue madame nan ak Dimitri Erard. Côté Dimitri Erard dit m'gen ta mobiliser troupe moyen. Oui. Ça c'est pas trois amis ou ta va le faire. Ça va faire. C'est ça. Trans-USGPN qui pour en bas l'ordre Dimitri Erard pour exécuter l'ordre. Oui. Parce que ça qui passe et selon ça nous avons essayé de comprendre. Donc c'est un bon monde qui vient dans palais. Ouais, qui porte mandat. OK? Donc c'est avec mandat, donc il a dit président mandat fini mais nous avons mandat d'arrestation pour vous et les ça puisque il a mené dans petit bois. Oui, et puis il a pris mène dans petit bois et puis l'autre citoyen lui a bien traversé et puis il a pris le remplacer l'installation. Oui. Mais c'est un coup contre eux même encore en dans opposition parce que opposition lui-même il est en à planifier qui est-ce qui va le remplacer président provisoirement. M'pas quoi ou te focus sur M. Dabrizil, parce que ça. Oui, mais non, non le te cité. Mais on soit peut-être dans l'opposition entière. L'opposition entière, c'est Mme Kouak. Moi, c'est Famille Lavalas. Oui. Moi, c'est Famille Lavalas. Yo te entendu, yo a entendu Moïse Jean-Charles. Yo te entendu, yo sous Mme Kouak. Oui, mais discours M. Dabrizil, c'est un coup d'état, c'est d'une pierre deux coups. Oui. Non seulement c'est un coup d'état contre Jovenel Moïse, son coup d'état tout contre Mme Kouak, les autres juges de la Cour de cassation. Parce que. Tendez, prends son temps d'interview. Madame Gauthier, qui fait très bête dans Baïsa, qui sortit très très bête et mettait en exergue capacité intellectuelle. Là, vous voyez, on doute profond sur capacité intellectuelle. Parce que madame n'a dit, pièce instance politique. Pas la donne. Pas la donne. Nations Unies, pas la donne. Bini, pas la donne. Un problème direct. Même quand t'es arrivé à atteindre l'apogée, c'est un problème direct. Parce que, y'a qu'on exclu un bon groupe moun qui était dans la rue, qui a pris un pot de caoutchouc, qui a pris un gaz lacrymogène, y'a qu'on mette au dehors. Oui. En tout cas, c'est civil tout. Civil qui est dans la sécurité palais. Et non, monsieur cité tout dans l'échange. Oui. Et bon, regardez seulement Pierre-Renel avant, on vient avec réaction. Et recommandation FJKL qui lui-même. Dit que by autorité la justice, mandé autorité la justice, donc pour libérer
purement et simplement juge Vekel d'Abrézé avec tout l'autre monde qui a arrêté à Clio. Lui mandé à Conseil supérieur pouvoir judiciaire là pour saisir d'office dossier juge d'Abrézé là sous plan disciplinaire et gagner Conseil supérieur pouvoir judiciaire là CSPJ avec association magistrat yo qui eux-mêmes doivent rester dans limite à la loi fixée quitter politique à politicien et puis organisation en militante yo pour pas affaiblir institution judiciaire là. Donc voilà recommandation. Maître Caleb Jean-Baptiste, relez-nous encore. Maître Caleb Jean-Baptiste semble c'est une avocat constitué pour juge d'Abrézil. Intervention très important Maître Jean-Baptiste ou Maître relez-nous Kounia. Donc de toute façon guerrier gen anguille sous roche. Oui. On d'accord même bien anguille sous roche. Et donc la justice Kounia c'est prend gros engagement pour comment la traiter dossier ça. Mais moi même flouant pour moi, inquiétude moi, c'est qui tribunal qui bon pour qu'elle c'est une raison que fait gouvernement fait fuite en avant ça arrêter ça il est en jouer à l'intelligence parce que Kounia non mais l'arrêté dans le moment arrestation là il était juge de la cour de cassation oui en tout cas pour des positions ça Lionel et bon gros dilemme oui là Caleb Bob oui avec Maître Caleb n'a prendre ça bien oui Luxon Seville dit non pourquoi gagner qui dit sous authenticité voice là et donc faut que nous très prudent avec lui bon et parce que non nous pas mettre voice d'ailleurs nous même non ça arrive ça la parler c'est des voice là c'est question de prudence c'est opinion nous la et c'est manœuvrer les amis c'est quand on est la crabe Caleb Bob. Ça dit voice là. Nous parlons en fonction de voice là. Oui, mais nous ne connaissons pas l'authentique. C'est ça, nous la plus. C'est la justice qui peut le déterminer. Oui, mais voilà. Nous c'est ça. Il faut une portée précision. Nous ne pouvons pas écarter voice là. Dans l'analyse, non. Il faut rappeler tout dans la législation, nous, voice, photo, pas gain, aucune valeur de preuve. Dans des cas spécifiques. Gain, il y a Nations Unies. Nations Unies, là, et à ce que la police et bah, résultat enquête qu'a mené sous question ça, gagné département d'État qui réagit tout. Sous question qui réagit, gagné Daniel Whitman, parce que là, c'est l'âme bleue venir, parce que nous gagnons. Confrère nous dans la voie de l'Amérique. Oui, écoutez, ça, et puis après, on parler avec d'accord. Donc, c'est explication Jacqueline Bélizère et puis Sandra Le Maire, qui est journaliste vétéran dans la voie de l'Amérique. Avant, Jacqueline, vous connaissez une bonne étude, j'ai capté de nous là. Ça veut dire qu'il faut que nous sortions et bien dans ce qu'on a dit. L'homme dit que, questionnement maintenant, c'est qui est-ce qui peut attendre un juge la Cour cassation? Qui est-ce qui est habilité pour attendre? Est-ce qu'on amène le devant? Est-ce qu'on amène un juge de la Cour de cassation en fonction devant un juge d'instruction? Point d'interrogation. Nous allons dans l'article, guerrier. 177, là. Mais ça le dit. Constitution, allez. Oui. Non, c'est là, on parle des 177, là. L'éclair sous ça. Il dit que les juges de la Cour de cassation, ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendue. Qu'à la suite d'une inculpation, ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle sans leur consentement. Même en cas de promotion, il n'est peut-être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée. Oui, donc il va qu'à révoquer. Donc, automatiquement, si nous prêtons dans le respect des normes, respect de la loi, dernière décision exécutif là. Nul et non effet. Non avenir.
On a retourné avec la décision. Ça, d'ailleurs, il y a une pile de réactions sur lui qui estimait que il n'est pas cadré avec maman, loi PIA et tout sous loi 2007, là, sous fonctionnement Conseil supérieur, pouvoir judiciaire. En tout cas, nous allons écouter, confrère, dans la voix de la mairie concernant plusieurs réactions sous dernière opération. Ça, la police menée, côté, ils ont arrêté, ils ont 21 moun, ils ont accusé d'un coup d'État contre président Jovenel Moïse Napkouté. Et puis l'autre réaction sous question tentative coup d'État, il y a aussi des implications entités étrangères, personnalités étrangères. Et Sandra Lemaire, dis-nous non, qui ça ou gagne sous question. Sandra Lemaire, c'est un journaliste vétéran qui a travaillé dans la salle des nouvelles, la Voix de l'Amérique. Sandra, dis-nous plus. Allons, Jacqueline. Donc, moi, parler avec Dan Whitman, qui c'est personnage que nous voyons en vidéo que y a partagé à soi-disant un ancien employé département d'État. Et monsieur, c'est un professeur dans l'université American University ici de Washington. Monsieur dit que l'IPA n'a rien pour louer avec coup d'État haïtien, hein, que l'IPA n'a aucun monde dans l'opposition, hein, l'IPA même qu'on non monde dans l'opposition. Hein. Il dit que dernière fois il était en Haïti, il y a 20 ans de ça, et que il n'a pas jamais tourné en Haïti, il n'a pas eu aucun contact avec personne en Haïti. Et donc ça veut dire que le poton démenti est total sous question ça. Total, total et complet. Sandra, est-ce que tu as une autre réaction encore qui sorti aux États-Unis ou bien dans l'autre pays? Oui. Exactement. Donc, moi, j'ai gagné réaction du département d'État. Nous posons plusieurs questions aujourd'hui, hein, et ils répondent toutes questions. Yo. Première question que nous avons posée, c'est qui est capable de nous sous soi-disant ancien employé du département d'État, ça qui est impliqué, qui t'a impliqué dans le coup d'État Haïti. Ils ont dit que tout travail que ils ont fait à travers l'ambassade. Et que ils n'ont pas fait aucun commentaire sous aucun monde, aucun personnage, simple citoyen américain, sans que yo pas gain permission moun ça. Et que c'est tout ça yo capable di nou de ça, que yo nous gagnons ambassade américaine et yo ambassadeur américain très capable en Haïti, et c'est yo même, c'est avec yo même que yo en affaire. Par rapport avec, et si yo gain temps pour moi, Jacqueline, toujours. Oui, on allait rapide. Ok, moi demandé yo qui réaction yo sur événement dimanche yo. Yo dit nous que les États-Unis a suivi situation en Haïti avec un pile qui est sauté, et nous lancer appel by tout acteur politique yo pour yo résoudre problème yo yo façon pacifique. Nous apprendre que la police nationale haïtienne a mené enquête sur 23 moun que arrêté pendant week-end, situation en flou, et n'attend résultat enquête la police. Nous demandons yo qui message gagne pour peuple haïtien qu'a demandé départ Jovenel Moïse. Yo dit nous malgré constitution haïtienne pas adressé clairement situation à vivre aujourd'hui, président Jovenel Moïse était élu en novembre 2016 après annulation élection présidentielle mois octobre 2015 là. Il prêtait serment 7 février 2017 pour un mandat 5 ans qui veut dire mandat il pral fini 7 février 2022. Et là, nous posons une question sur si vous parlez avec les membres du Congrès par rapport à l'aide que les membres du Congrès ont envoyé pour demander de suspendre, appuyer le président Moïse. Vous dites que vous n'avez pas fait commentaire sur la communication que vous avez avec les membres du Congrès. Le département d'État a discuté sur la situation en Haïti avec les membres du Congrès, cependant, et que le secrétaire d'État a apprécié l'idée avec le message que vous recevez. Deux membres congrès sous question qui a rapport avec politique étrangère. C'est là pour nous saluer près de 16 000 personnes qui prennent le temps qui regardent nous sur deux plateformes Radio-Télévision Caraïbes mettent à disposition. Nous avons 11 000 et pic sur Facebook là, nous avons 5 000 sur YouTube là. Et tout ça n'a pas dit. Nous engager nous comme citoyens et n'a venir avec des arguments convaincants pour ne pas montrer ces blablabla ou bien ces jacou répète n'a fait. Nous sommes équipe qui a conviction, qui cohérent, qui prend engagement envers la société, envers la République
et moi-même moi me considère peut-être moi comme un patriote, comme un conseiller de la patrie. Chaque action li gon réaction d'elle. Et moi-même dit monsieur fait fausse route dans exécutif là. Yo te doit quitter courant faire route li et puis mettez-vous en position de pour préparer à l'évidence. Est-ce d'accord avec moi? Donc, m'te dit avec étudiant yo, j'ai ton coup d'œil dans article 177 constitution, mais pour capable enrichir nous davantage parce que là son question son cas d'étude, nous en façon cas d'étude et qui va demander étudiant yo pour réfléchir sous les en pile. Là nous aller PRR guerrier dans article 20 du décret 22 août 1995 qui parlait sous organisation judiciaire. Li vin abrogé par article 51 de la loi du 27 novembre 2007 portant les statuts de la magistrature. On va dire là c'est vérité, c'est la pure vérité. Article 20 du décret 1995. Les juges des cours et des tribunaux pourront être mis à la retraite à l'âge de 60 ans. Article 51 de la loi de 2007. La limite d'âge est fixée à 65 ans pour qu'un juge voie son nom porté sur une liste pour fin de nomination. Les juges sont maintenus en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à l'âge de 55 ans révolus, après avoir fourni 25 années de service. Mm-hmm. Non, mais c'est la boule à chire, tout ça nous écrit, on a éliminé tout. Si nous voulons notre constitution en vigueur, nous pouvons appliquer là parce que même contenu en bas, on aime beaucoup même intéresser à la donne, mon sacandale. Mais si ça nous écrit, qui c'est boussole société, qui c'est miroir la République, mes amis, souffrir un petit moment pour nous tenir ça n'a pas venir en application, mais ça actuel là, et c'est lui pour nous appliquer.